4 étapes. Pose devant toi afin de te dévoiler ce en quoi je crois, tu vois, à cet instant. Désolé, mais je ne pouvais disposer de mes sentiments autrement qu'en cet état, tu vois. Il ne m'a fallu qu'un instant pour supposer qu'avec toi, peut-être, ouais, la vie aurait une toute autre valeur suivant ce premier pas. C'est honnête de ma part de me livrer ce fluide un peu liquide, qui me propose de garder le cap, car enfin, je sais que c'est un peu rapide. Peut-être que ceci doit nous initier encore et encore au subtil, tout simplement au subtil. On a tous deux, je pense, à vivre une vie saine, même chacun de son côté. On a tous deux, s'il y a lieu, qu'à vivre où cela nous-mêmes mène, même en aparté, quoi. On a tous deux à faire grandir notre approche de l'amour, ouais, en soi, compatible avec les humeurs de tous les jours, tout simplement. Être prêt à accepter des journées folles. Comprendre en cela l'avenir, ou peut-être que cela colle. Peut-être pas. Je me réjouis tous les jours d'un discours simple et vrai, que l'on peut déjà se répéter au cours d'un message dévoilé, celui-ci par exemple. Tu vois, j'ai pas peur. Je me convertis d'ores et déjà à tes hauteurs. Ma chance aujourd'hui, j'en suis sûr, elle n'est pas ailleurs. Ouais, j'aimerais le répéter dans tes bras. Je veux muscler mes pensées. Marchant à ta hauteur, je veux juste poser ma sincérité, tu vois. Cela passe déjà et juste par l'écriture sans se casser. Preuve que ce sont des sentiments prêts. Ce premier pas, je ne le risque pas, au contraire. Et je sais qu'il est vécu comme un mystère. Ouais. Je t'aborderai jamais comme un dicton, tu sais, je serai davantage me livrer à tes sensations. Mon retour, tu vois, mon retour ne me joue aucune raison imparfaite, obsolète, à fleur de liaison. Je veux juste aimer plus que jamais, quoi. Au futur peut-être compacté, ouais, reste aujourd'hui à solutionner. Au plus que parfait, tout simplement, je le pense. Franchement, je te souhaite tout pour ton crew. Amour, un point, c'est beaucoup. Bah, c'est peut-être pour en réaliser, il en va de la vérité, ce n'est pas une opportunité, c'est droit comme fait, quoi. Moi, quant à moi, je voulais juste
je veux, voudrais. Franchement, je résiste pas à ce qui me pousse à te désirer, tu sais. J'aborde peut-être la vie, et surtout la partie de ma vie cachée. Celle que je n'ai jamais osé révéler, celle que je n'ose peser. Comme je n'ose peser mon passé, je n'aime pas. Je ne le connais même pas. Franchement, je m'en voudrais de te faire pleurer. Toi. Je n'ai osé en parler, je n'ose ouvrir les yeux, tu sais, j'espère. J'espère que tu ne te trompes pas sur moi. Après cela, tu me connais assez, je pense que tu peux me faire confiance à jamais, quoi. Je la rêve pas cette histoire, je ne rêve pas, je m'y emploie. C'est comme froid du roi, tu sais, chaud le choix. Y'a pas de frein pour ce long convoi. Juste un accès qui s'adresse à toi. Y a-t-il une loi fondamentale? Ce n'est pas en soi, j'y crois juste. Comme je crois peut-être en toi, donc en moi, ouais, finalement. Pas de place pour le pourquoi. Juste pour le vrai de surcroît. J'ai besoin de me justifier, tu vois, et je ne pense pas te séduire avec ce toi, ce brouhaha. Je veux juste comprendre si toi, tu ressens déjà comme en soi, peut-être un parcours, juste un dessin intérieur qui permet une disposition jamais concevable pour peut-être se croiser, se peindre ou se partager au grand jamais devant un bel endroit. Qu'importe, ça se fera peut-être pas. J'oubliais, j'ose et dois oser. Chasser les ombres en direct toute ma vie, je n'ai jamais dit ce que je ressens aujourd'hui, c'est-à-dire le cœur qui me dit à bientôt. Je pense y croire au plus profond de ce que je représente aujourd'hui, peut-être pour toi. Je voudrais seulement que tu me dises ne va pas trop vite à la place de ne t'emballe pas. Franchement, si tu ne me dis rien, cela changera peut-être pas le lendemain, mais même construira peut-être de nouveaux liens, tu vois. Je ne peux prédire mieux, plus pour moi, quoi. C'est mon intuition d'homme qui me dicte ces propos reflétant franchement mes sentiments du moment, et crois-moi, ils sont bons. Important, quoi. Je me donne à toi, je veux t'offrir et attendre ce qu'il y a à attendre au grand jamais aujourd'hui, je le sais, quoi. Peut-être que l'amour est né, et c'est peut-être confirmé noblement dans le centre est de ce que l'on peut qualifier de franc. Je peux te dire quelque chose à l'oreille? Est-ce permis? Je me voyais déjà dans la peau de celle que je toste tout haut là, tu vois. Et il y a sujet à discussion. Et je veux pas vivre l'opposition. Est-ce enivrant de vouloir jouer un rôle qui, à la clé, nous permet de rejoindre nos sens premiers, qui légitimement nous propose peut-être de nous ou de nous aimer? Je me trompais? Est-ce votre choix, mademoiselle? Suis-je votre... Serais-je votre sujet éternel à l'appel? À vue d'œil, je ne peux le définir, comme si patiemment cela pouvait même nous unir. Ah, je reste positif, hein. Alors patience, on parle de clairvoyance. Quand nous deviendrons attentifs, peut-être les journées passées qui s'en suivent, on parlera de capacité attentionnelle. Et je pense que cela m'émerveille du reste. Mais non. Hey, te feras-tu la belle? Tu réponds à un exercice utilisé la veille. Mes dispositions me convoquent sans frais au ciel. Je ne saisis en rien
en rien la mythique thématique du soleil qui est représentée par ta beauté, confond au grand jamais les querelles. Tu m'intrigues et traduis un comportement éternel. Je fais face, mais ne peux m'empêcher d'y voir tel que semble souligner sans préciser les raisons fonctionnelles, conditionnant un concept perpétuel de perte, de désespoir. Excuse-moi, mais j'ai le droit de te dire ça. J'avais pour consigne de prétendre, j'accepterais juste de m'y rendre. Je m'entraînerais pour fondre et ne pas attendre. Cependant, je désire caresser affectueusement tes lèvres, de baisers tendres et sans trêve, caresser affectueusement tes lèvres. Afin de souligner qu'à l'origine il y avait de la sève pour configurer un amour d'une sagesse à terre, et je le tais, pourtant il est grandiose, et cela vaut une métamorphose, j'accepte tout, tu vois. Même pour un prochain, ouais, rendez-vous dans Rancard. Jusqu'où irez-vous pour nous? Trop tard. Histoire d'envie subite m'a amené au sens large où tu habites. Toi qui me sais maintenant que cela me plaît, finalement. Comme ce que j'avais prévu, ou ce qui était imprévu. Toi, pour l'absolu. Je veux juste l'idéal, c'est d'idéaliser une relation pudique ou publique, pas de conditions néanmoins, soucieux de la qualité totale. Une ivresse permanente, soit fatale. Tu sais, sympathisant avec l'inconnu pour le temps pratique imprévu. Ce baptême-là nous dirige juste vers le camp de la société modèle pour les plans conçus précisément pour les enfants tendres et aux sentiments piquants. L'absurde absolu n'existe pas. Il ne nous reste peut-être qu'à le faire naître pour cela, tu vois. Qui, quand, où et pourquoi subitement s'inventer une passion, une émotion explosant? Notre quotidien, nos sensations privées ou pas, qu'importe le blabla, qu'importe. Comme sans quoi il nous reste à croire. Sûr. Entre nous, il n'y a pas de poids. Je te sais, tu me vois. On se chamaille, on se trouble, se respecte. Se vivra, peut-être pas, je sais pas. Essayons juste, promptement, et proprement quoi, de ne pas vivre dans la pagaille. Tu sais, les parents sont comme les enfants, ils sont pas avares de traitement. Sécurisant juste, même malgré l'aventure, et qui nous connaît, hein, de bon augure, hein, tu vois. Alors, t'en penses quoi? Quand précisément, peut-être on aura le temps de la joie au cœur de vivre si simplement que magiquement, nous aurons compris à temps. Ce souffle, ce mistral gagnant traduit si bêtement. Bien, je pense qu'on aura laissé la trace. Du meilleur quand il y a de la place. Le pire quand il s'efface, mais je joue pas pile ou face. Je suis juste à tes trousses planquées dans la secousse. À gérer toutes les courses qui me poussent, qui me poseront peut-être auprès de toi. Ça va toi? Veux-tu venir ici? Afin que l'on se rapproche l'un de l'autre, comme il se doit, afin que
l'on couvre nos poches de charme dans nos bras, afin que l'on rallume les lumières sans armes comme premier pas, afin aussi d'être disposé, si rien ne se passe, à ne pas se troubler, s'il n'y a pas d'audace. Je me suis résigné, peut-être parce que ton sourire, je le sens, il m'est destiné, mais je crois, ou du moins je le crois, rien ne peut y changer. Mis à part toi, si tu ne me sens pas, je te vois, essaie de m'instruire juste. Sur ta voix, celle du charme, encore aux abois. Je me livre là, cela peut me couper de ton monde et celui-ci peut recommander la honte pour nous unifier ou tout d'abord se comprendre. En d'autres termes, je ne me suis pas au préalable entraîné. Je ne sais même pas si je suis accrédité. Je pense vouloir juste honneur. Le tien. Liberté. Enfin, tout ceci, sensuel, ouais, sensuel, gravé en moi. Jusque-là, c'était culotté de ma part, n'est-ce pas? C'est peut-être chaud à l'oreille. Plus précisément puissant. J'aimerais juste le jouer avec toi, c'est tout. Cet enregistrement, c'est une première presse, hein. Je dirais que comme source d'énergie, c'est juste... de conduire à développer, à avoir l'audace d'oser et de conclure. Mais je reste toujours sur des positions neuves à chaque épopée afin de soustraire, non, mais satisfaire des besoins les plus naturels. Ceci peut réfléchir juste ma motivation première. Au premier degré, on dirait que c'est qu'une association d'idées. Et là, ma passion serait-elle sans équivoque lorsque jusqu'à une approche franche se reflète l'époque. J'y communique prétention l'ordinaire qui offre la découverte du moyen de guérir, le moyen de comprendre le désir. L'orgueil, l'humilité sont des étoiles qui baillent, épistolaires perfectionnées de l'amertume, ou morale en sourdine, sensibilité encore qu'incomprise du vulgaire. Je me laisse entraîner alors au hasard. Mais de quel côté regarder? Avec répercussion, curiosité, sans marchandage? Pour une satisfaction maladive? Sans suivre les crépitements sismiques? Ah non, 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 tu vois. À chacun ses libertés et frontières, quoi. Tu vois, le rythme et le trot des intonations provoquées ici me permettent de concilier alors seulement la tranquillité de l'équilibre. Afin de donner à chaque élément une intégrité, à chaque gestuelle une priorité, libre. Du point de vue de l'exactitude, des explications seulement suggérées, je révélerai jamais les lieux personnels tenus au secret.